J'aime pas être sérieux trop longtemps. Ça m'ennuie. J'ai une capacité de concentration très limitée. Bah, je fais des petites bêtises toute la journée, en fait, tout le temps. J'aime bien cuisiner. J'aime pas faire la vaisselle. J'aime bien perdre du temps. Je fais pas mal de tours en voiture, observer les gens. J'aime pas trop les rendez-vous, les journées avec trop de rendez-vous. Il y a une caméra cachée que j'avais faite à Bruxelles il y a quelques années. J'étais déguisé en personnel de Bruxelles Propreté. Il y avait quelqu'un qui était en chaise roulante, poussait sa chaise roulante dans une volée d'escalier. Et c'était un cascadeur qui se retournait. Et puis on filmait la réaction des gens, et la réaction était tellement violente qu'après deux pigées, on a arrêté, on s'est dit « Ouf, c'est une mauvaise idée, ça. » Je suis quelqu'un qui peut être introverti et timide. Il faut que je connaisse les gens pour me sentir à l'aise, en fait. Et si on ne me connaît pas, on peut croire que je suis très vite très à l'aise, mais je lutte. Là, je fais un vrai effort sur moi pour parler comme ça. J'aime bien Jacques Brel pour sa liberté, moi j'aspire à la liberté, quoi. Et j'essaie de tout faire pour être libre. Et donc ça passe par le fait d'être responsable. Je pense que quand on est irresponsable, on n'est pas libre. Mais c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, c'est que s'ils veulent être libres, il faut qu'ils soient responsables, il faut se prendre en main. Moi, je voudrais un jour partir en bateau. Pour fuiter, mais pour partir voir d'autres choses et prendre le temps, un temps illimité, d'aller rencontrer les gens, d'aller voir d'autres cultures. Moi, j'aime bien voir la vie, en fait. Essayer de comprendre comment les gens vivent et comment ça se passe dans leur tête, quoi.